Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu et c'est parti pour une petite vidéo sur Sapeu 2 Rush XP. Donc on va essayer de faire un maximum d'XP en un minimum de temps. Donc je sais pas trop encore comment je vais me démerder. Si je fais genre 10 minutes d'XP mais que dans les combats, ou 15 minutes en comptant le changement de... Vous savez, parce que pour trouver les combats à chaque fois ça prend un peu de temps. Cette tour en solo avec une panoplie Shenmue. Pas besoin d'avoir plus hein, pour ceux qui sont déjà super bien stuffés, ça sert à rien pour l'instant. J'attends le level 199. Bah là déjà on a mis 1 minute 10, mais du coup je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Là il y a un groupe mais il est pas super, mais je vais peut-être faire des pauses quand même entre chaque combat, parce que bon voilà, le temps de trouver les trucs ouais, enfin bah, il y a des combats sympas mais bon faut voir. Missile Kraken. Donc je suis à 1 minute 31, j'ai fait une pause là. Et du coup je vais mettre le multibit. Et je vais lancer le deuxième combat. Mais du coup je crois que je vais faire que... je vais pas compter le temps où je change de map et tout peut-être. On va essayer de faire ça comme ça. Et du coup je vais faire seulement 10 minutes. Allez, donc je vais lancer le deuxième combat. Et donc je relance le chrono tout de suite. Donc là ça va être un peu plus chiant parce qu'il y a un Nessil. Nessie, il est pas trop relou, mais vu qu'il a des... Il renvoie des dégâts et qu'il tape un petit peu en ligne et tout, c'est un peu chiant ça, mais bon. Je vais essayer de faire le challenge, parce qu'on a du swag, lol. J'ai pris en multiman, hein, c'est juste histoire de gagner un peu de temps, puisque l'XP reste le même. On perd vraiment genre 10 000 d'XP, donc je m'en fous un peu. Bah tiens, le Nessie qui a perdu. Qui a perdu 3 PM. Bon bah le multiman il va faire 15 sorts à chaque fois si je fais le challenge, hein, mais c'est pas très grave. Hop. Effectivement c'est plus les vacances, merci de me rappeler que c'est le mec. Enfin bon, vous verrez cette vidéo, ça sera... les dégâts, donc quoi. Bon, s'il tape que 500, ça va.
C'est chiant, mais c'est vraiment pas le pire parce qu'il a des faiblesses feu, donc ça va. Donc voilà, on va stopper le chrono. On est à 6 minutes 3 et là on a chopé 5 millions d'XP. Ça reste correct. Le combat d'avant, on avait pris 2 millions, là 5 millions. Je vais aller chercher les autres groupes. Je ferai peut-être des coupures au montage parce que voilà, YOLO. Pourquoi je peux pas aller là? Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de groupe. Hop. Donc c'est vrai que forcément, normalement, ça sera pas vraiment de l'XP pour 10 minutes parce qu'il y a le temps de trouver les combats, mais bon. 10 minutes de combat pur et dur, ce sera ça quoi. Pas vraiment de combat là. J'aimerais bien aller sur la droite, mais il y a des groupes qui me bloquent au passage. Ce qui est assez relou d'ailleurs. Prends un peu de pain. Bon bah je pense qu'il y a encore moyen de faire un ou deux combats, ça dépend de s'il y a combien de mobs. On aura vu pour 10 minutes, putain ouais, mais je vais pas me faire aggro moi. Ok, c'est bon, ça passe. Donc c'est un truc chiant hein, parce que bon, il n'y a pas les gros pieds imités, du coup faut quand même aller les trouver. En plus là, je suis bloqué. Ah non, je peux bloquer, c'est bon. Ok, bah je crois que j'ai changé de zone du coup carrément parce que là il n'y aura plus d'étoiles quand on remonte. Il y a de moins en moins d'étoiles. Tiens, il y a le goût d'orac. Qu'est-ce que je fous là? L'escalier est sur la droite et qu'est-ce que je respawn là? Non. Double de dox, un peu relou, mais c'est bon, je me suis pas fait gros. Krakal, Krakal, Messile. Il y a des groupes à faire en team aussi, hein. À Krakal, Messile encore. Je crois que je vais prendre une popo là. Parce que je me paume un peu. Ça m'a l'air bon. Donc, ouais, vraiment, c'est. On a 5. 530 secondes. Bientôt 10 minutes de vidéo, bon, bref. Ouais, ce qui est le plus chiant quand même quand on XP solo, c'est de trouver les combats. Mais bon, c'est pas non plus trop hard quoi. Là, ça fait quoi 10 minutes que je suis dessus. Là, il y a encore un double dodox. Ça donne envie le double dodox. Bon, allez, on va faire le double dodox. Dodox qui est vraiment des mobs, vraiment ils sont très nuls. Hein. Allez, on relance le chrono. Alors, par contre, voilà, là, il n'y aura pas de challenge. Hein. Ça va être beaucoup trop long. Les dodox ils se mettent des points de bouclier, ce qui est assez relou. J'ai là immo un peu, mais c'est pour ça que j'ai pris une multiman au passage. Déjà ça va me permettre d'aller un peu plus vite, mais en plus comme ça vu qu'ils ont que des faiblesses hauts, ce sera encore mieux. Toi tu recules. Les dodox c'est vraiment tout con quoi, parce que s'ils vous touchent pas directement avec leur PM, et ben ils vous tapent pas carrément, c'est con. Bon, et enfin le challenge, on s'en fout. Toi tu rentres dans ton pays. Okay. Donc bon, ça va être un peu long parce qu'ils ont vraiment des grosses restes par contre. Ah, et là ils ont joué pute là par contre. Là ils ont vraiment joué pute. Et du coup ils vont pouvoir me taper un tour. J'avais pas prévu qu'il allait se mettre derrière ce con. Du coup ce qu'on va faire, on va tanker avec le multiman si je peux. Ah bah non, mais après j'ai fait. Bon, je lui aurais bien mis en cul. Bah je pense qu'on va faire que 3 combats en 10 minutes du coup. Bon là je vais prendre cher forcément. Vu que... c'est con, ils m'ont brain hein, les dodox. C'est la première fois que je me fais brain par des dodox qui sont vraiment des mobs très nuls. En légère comme ça, hein. Il suffit de se mettre à une distance raisonnable et après vous touchez jamais. C'est d'ailleurs un bug il me semble qui vous attaque pas, hein, mais bon. Ah, je bug un peu, c'est pas cool si je bug pour faire du bon temps. 360, bon là il retourne tour 4, il relance les points de bouclier. Tour 4, tour 7, tour 10, etc. Il me semble, c'est ça. On va l'écarter. Donc voilà, Frigos 3, c'est vraiment gérable. Bon, on va faire ce dernier combat. On aura fait 3 combats. Et vous verrez, l'XP en 3 combats, ce sera peut-être pas vraiment 10 minutes, malheureusement, parce que je traîne un peu, là. On va essayer de speeder un petit peu. Là, ils ont des points de bouclier, c'est con. Donc c'est pas facile. Oh putain, je suis invisible, il m'a touché le PD. Le bâtard. Putain, ils ont encore du point de bouclier. Ouais, parce qu'ils sont à côté, c'est con. Donc forcément, ils restent à côté, ils se mettent du propre point de bouclier. Mais c'est des mobs qui sont pas très durs à gérer, mais quand même. Faut que je fasse gaffe quand même, hein, mais bon. Ça devrait aller. Mais là, j'ai juste eu un coup de malchance. Ou il m'a touché alors que j'étais invisible. J'ai rushé, je crois, parce que là, on va rusher un peu. Faut que je speed. Donc là, il va toucher le multiman. Il tape fort sinon, mais bon. Ils mettent de l'érosion aussi, ça c'est un peu relou.
Là je pousse de 2. Il a pas de point de bouclier. On va le mettre dans les pièges. On va faire ça comme ça. Ça tape pas énormément, ils ont full res. Au passage, mon sera mes full sagesse. Pour ça que je tape pas énormément, mais bon, au safe un peu, hein, ça suffit largement pour gérer ces mobs de merde. Non, mais vous voyez, c'est vraiment pas dur quoi. Ça prend un peu de temps, j'avoue. Mais faut faire gaffe quand même, c'est pas dur, mais dès qu'on fait une petite connerie, ça peut quand même coûter. Peut coûter la vie quoi. Bon, là, faut que je rush parce que sinon, on va dépasser les 10 minutes. Bon, bah, on dépassera un peu les 10 minutes, je pense. Tant pis, hein, c'est de l'XP approximatif. Mais bon, ça aura pas été très long non plus, on verra l'XP. Alors, lui il me tape. Là, ils ont les deux les points de bouclier, c'est ce qui est vachement chiant. Et on va le repousser. Donc là, oui, ils ont carrément full point de bouclier. Les petits cons. Au pire, le multiman, s'il crève, on s'en fout. On s'en fout d'ailleurs totalement. Puisqu'il n'y a même pas besoin de lui donner du pain. Hop, moins 3 PM, parfait. Bon bah là on est à 10 minutes de combat. Enfin quoi que j'avais laissé un petit peu au début, donc ce sera peut-être... Enfin bref, on verra, mais... c'est pas vraiment 10 minutes, enfin on les a atteints maintenant, mais bon. Bientôt un dodox de mort. Donc on aura fait à peu près plus de 10 millions en 10 minutes quoi. Donc voilà, je sais pas combien de temps il faut pour un Royal Moots et combien ça XP. Mais à mon avis c'est plus rentable de faire ça. Hein. Je trouve, moi, de toute façon, je préfère toujours l'XP solo. Parce qu'en plus, Royal Moot, faut faire tout le donjon avant. Alors que là, c'est illimité, quoi. Enfin, illimité, j'abuse, hein. Vous avez pas des groupes à l'infini, mais il y en a quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on va faire à peu près 11 minutes d'XP, là, du coup. Mais c'est pas non plus énorme, quoi. Hein. 10 minutes de combat. C'est vrai que c'est un peu plus le temps de trouver les groupes. Ça aura fait à peu près 15 minutes, j'ai l'impression, mais. 15 minutes, là on avait fait un combat 5 millions, un combat 2 millions, là il y aura un peu plus de 2 millions, ça, on va dire 10 millions qu'on va pas se prendre la tête, parce que j'ai pas non plus capté tous les XP, donc ça fera du 10 millions en 10 minutes, 1 million par minute, c'est ce qu'il faut regarder dans l'XP et pas non plus, parce que bon, des fois on voit ouais, du gros pex, 20 millions sur je sais pas, un Tengu, mais bon, si le combat a duré 40 minutes, c'est pas forcément très rentable. Allez, c'est terminé, 12 tours, 11 minutes de combat. Et 10 millions d'XP, c'est ouais, vraiment 10 millions d'XP là. Donc 10 millions d'XP, 11 minutes. Donc ça a été le premier point XP. En plus, vous aurez vu un peu le SRAM ce qu'il donne. En même temps, c'était ça peu pour ce rush XP. Donc on était à 80%. J'ai fait 5% en 15 minutes. Un truc comme ça. 5% en 15 minutes. Pour mon level, c'est quand même pas mal du tout. Surtout que j'ai pas un gros stuff, vraiment, c'est une panoplie Shenmue, je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir plus les mecs, hein. Pas besoin d'avoir plus pour gérer FreeGhost 3, ça suffit amplement. Je vous dis à la prochaine, c'était ça peu, bye tout le monde.